Bonjour mes chouquettes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo improvisée. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'étais en train de travailler. Mais là je vais se faire cette petite vidéo parce que j'avais très envie de le faire. Et c'est parce qu'en fait j'ai reçu un paquet, pas comme les autres, pas d'une chouquette. Enfin peut-être c'est une chouquette, je ne sais pas. En fait il s'agit d'un concours qu'a fait Miss Créative, Maeva, de la chaîne Miss Créative. Et que j'ai gagné et que je viens de recevoir. Et je voulais faire cette vidéo parce que, comme tout le monde, quand moi je regarde une vidéo et qu'il y a un concours, je me dis oui, il y a beaucoup de concours, mais la plupart du temps, je me dis est-ce que les personnes les reçoivent ou pas, ou est-ce que c'est que du fake? Bon, je parle pas par rapport à à Miss parce que je vois très bien tout de suite maintenant que c'est réel. Mais par rapport à certains qui font des concours, des fois on se pose la question, est-ce que les gens le reçoivent vraiment ou pas? Parce qu'il y a plein de vidéos qu'on voit où il n'y a personne qui a reçu la vidéo et tu poses toi-même la question. Moi, j'ai jamais vu de story ou de truc de la personne qui a dit oui, regardez, moi j'ai reçu le concours. Non, moi j'ai, enfin personnellement, moi j'ai jamais vu ce genre de vidéo. Ou de story ou de trucs. Donc moi j'avais envie de le faire pour dire voilà, moi j'ai bien reçu le concours. Donc moi j'avais choisi parce qu'en fait il y avait trois box comme ça pour faire des bougies à gagner, plus des petits kits Fimo. Donc moi j'ai pris celui-là de panda, mon amour des pandas. Donc voilà, et on va tester ça tout de suite. Ça me paraît très très intéressant à faire, surtout les bougies parce que je connais pas les bougies à modeler. Donc voilà, on va se tester ça. On va se tester ça tout de suite. On va commencer par le kit de bougies. Moi, c'est Noël. Vous me connaissez très bien, mes chouquettes. Je ne fais jamais ce qu'on dit sur les notices. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est voir l'aspect des. Pourquoi c'est comme ça? Il y a trop, non? J'ai l'impression que ça a été ouvert. Ben non, il y a tout. Ok. Ah. Celui-là, il doit y avoir eu un problème. Regardez qu'il y a du jaune. Il y a du jaune sur la pâte. Oh, yo, yo. Bon, le blanc, c'est plus devenu blanc. Vraiment, c'est le seul qui a un problème. Donc, ça se présente comme ça, un peu comme des tablettes de chocolat. Ok. Ah, voilà ce qu'il y a dans ce kit. Alors, prendre du blanc. Ça se marque bien. En même temps, c'est de la bougie. Hein. Tout le monde a déjà essayé plus ou moins de faire une bougie avec du Babybel. Enfin, la peau du Babybel. Hop. Voilà. Un petit corps de panda. On va faire avec. Là, on va faire la tête. Bon, ça ira comme ça. Voilà. On va faire comme ça. On va la poser dessus. Ouais, c'est pas fait pour faire des choses précises. Si mon panda arrive à quelque chose, je serai assez content parce que là, vu comment c'est parti, les chouquettes. Oh, il est dégueulasse. Voilà. Bon, voilà pour l'instant. Et on va faire les papattes. Je reviens tout de suite après. Donc, voilà ce que j'en ai fait.
Donc ça c'est bien de la pâte à bouger. Hein. J'ai utilisé un peu de verre. Regardez-moi comment il est mignon. J'ai fait de mon mieux parce que j'ai pas utilisé d'outils, j'ai juste utilisé mes doigts. Là j'ai fini ça vite fait. Alors pour conclure sur ce kit bougie, il est bien. La pâte elle est maniable, c'est assez étrange d'ailleurs. Mais ouais, on dirait un peu comme de la pâte à modeler. Regardez, là j'appuie vite fait ça. On dirait un peu comme de la pâte à modeler. Donc ça. Le problème, c'est qu'il faut faire, je pense, avec des choses plutôt simples. Parce que en fait, là tout de suite. Regardez, là mon panda il est bien trop beau. Pourquoi j'irais le brûler, mettre une bougie au-dessus? Hein? Donc je vais le garder comme ça, puis ça fait un. Ça fait très décoratif, mais je vais pas le brûler. On va pas brûler panda. Donc voilà, franchement, c'est un bon kit. Le seul reproche que je vais lui faire, c'est le fait que quand tu. Ils ont tout mis dans le sachet, c'est-à-dire la pâte. Ils ont pas. Il n'y a pas de. Les pâtes sont pas séparées, donc du coup, ce qui fait que bah, la blanche a eu du jaune, du orange dessus. Du vert un peu aussi comme vous l'avez vu et que bah, le cure-dent qu'ils mettent avec étant donné que c'est pareil là, avec les pâtes le cure-dent il est dégueulasse. Bon après les cure-dents on a tous chez nous chez soi mais c'est pas le truc mais voilà franchement sinon c'est un bon kit à tester pour ceux-là qui veulent faire des bougies quoi à la main. Voilà, encore merci Miss pour ce concours et puis, bisous mes chouquettes.